tiens à deux à pas être d'accord. En tout cas, t'es le seul à avoir fait la gueule. Et après, du contraire, t'es le seul qui est parti discuter avec des gendarmes. Et ça, on laisse de sources sûres, mon ami. Parce que toi-même, tu sais qu'on sait. On sait tout ce qui se passe ici. Toi-même, tu sais, il est rentré chez nous. Tu sais qu'on est les plus puissants. Exactement. Ça, c'est vous qui êtes rentré dans la famille et pas l'inverse. Comment? Martel, c'est 4 personnes de départ. Parce que tu crois que ta famille à toi, c'est pas ma famille à moi? Putain. Parce que tu crois que notre famille. Je suis plus le cartel que toi, enfoiré. Tu crois que notre famille, c'est le cartel entier. Tu n'as pas trahi, bordel. Le cartel dans ta famille. Je te rappelle qu'on arrivait à 10 dans ta famille, hein, comme fille de base. Donc le cartel, c'est nous. Non, ce côté de différence, c'est bizarre. Un dit un truc, l'autre dit un autre truc. Non. Pourquoi tu parles quand t'as des armes? Vous avez la même chose, vous étiez 4 ou 5. On est arrivé à 10 et là, on a formé le cartel entre nous. On est devenu le cartel. C'est aussi grâce à nous qu'on en est là. On attend à ce que chasse, c'est des membres de ton, équipe de merde, de ton côté qui sont des balances. C'est M, tout ça, c'est des mecs de chez vous, c'est pas des mecs de chez nous. J'ai vu une balance chez nous, quoi. Hein? PDL. Et on te découpe, mon pote, y'a pas de balance chez nous. T'es un père là, regarde, t'es un père là. Repentis-toi. Il peut t'aider à atteindre le paradis, t'es un père juste à côté de toi, bordel. Là, c'est. T'es un père. Moi je serais toi, au moins je ferais ma repentance. Rédemption, j'ai aucune rédemption à devoir faire, mais voilà. Rédemption, tu trafiquais la cocaïne et t'as pas de rédemption à faire. Est-ce que tu te fourrais moi de ma gueule? Regarde-moi droit dans les yeux, bordel. En tout cas, c'est fini. T'as rien à te reprocher, t'as pas balancé ces messieurs, mais t'as le nez tout blanc, la espèce de toc, je t'avais dit. Jamais touché à la coke. J'en fais, j'ai jamais goûté. En tout cas, tu as le nez non comme Pinocchio, en foiré. Vous manquez déjà des grammes, les gars, dans les kilos. Eh ouais, bah oui, bien sûr. T'es pas sérieux, tu chies dans la colle, putain. Avoue un peu. Je suis même dans la coque, cet enfoiré. Putain, même dans la coque, on a tout vu, putain. M, tu fais chier, bordel. N'importe quoi. Notre preuve, franchement, ça, allez-y. Notre preuve, mais t'es là devant nous. C'est pas la preuve, bordel. Cette assemblée d'hommes est là avec des preuves accablantes, quoi ça. C'est accablant, moi, tout le monde. Au moins, des choses, c'est que si t'es un homme, au moins, dis-le si t'es un homme. Au moins, meurs en paix, mon ami. Tu vois, porte tes couilles jusqu'au bout. J'ai voulu le faire, ça a pas marché, mais maintenant, porte tes couilles jusqu'au bout. Dis-le que tu l'as fait. Dis-le que t'es une balance de merde. Fais voir les petits trucs là qui servent. Balance, j'ai rien balancé. En tout cas, les soirées. Balance, on est en rien balancé. Hein. Soirées yacht, des soirées co. Attends, deux secondes avant de le torturer. Tiens, on sait que t'as pas balancé. Il a tout balancé. Je suis pas une balance. Ben non, ben tu joues sur les mots, tu te fous de ma gueule. T'étais pas prêt à tout balancer, les infos sur le cartel et tout. On a chopé la balance. Négatif. C'est pas les infos qu'on nous a données en tout cas. On vous donne ce qu'on veut bien vous donner, c'est bizarre quand même. Putain, c'est un gendarme qui veut. Ok, par le biais d'un ami. Ça, c'est à cause de. Et tu veux le danger, tu crois que ça. Électroc plus les couilles là, j'aime pas. Allez, je me mets sur le côté, je veux pas voir. Alors, je branche le truc là, à la cutin. Oh bordel. Ah putain, c'est dégueulasse. Putain. Ah mais il y va avec le chalumeau aussi, putain. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est bien, stop, putain. Mon dieu, mais il reste plus rien! Je m'en fous, moi, tu m'avais putain, bordel! Mais comment je suis, moi, je m'arrête pas! Mais je sais, bordel, t'es jamais rassasié! Non, c'est ça! Et puis j'ai mis le temps! Non, mais pas, ouais, mais d'après juste les clés, il faut prendre la thune et tout, faut vite et tout. On le fait disparaître. Donc, t'as laissé partir avec tout ce qu'il a là? Non, mais écoute, je t'explique un truc, après, si tu. Quand ça se passe comme ça, il dégage. T'as rien à foutre. L'autre, la dernière fois. 10 ans, vous ça se qui était. Moi je touche pas, c'est comme. Non, pas ça, ça me fait. Et au moins, tu n'as pas gardé pour moi tous les kilos qu'on a fait hier là, parce rien que du tout. Il n'en a pas chez lui. Il a rien chez lui, il a rien chez lui. Son autre maison, il l'a dit. Il était fou. Non, il a des armes et tout. Parce que dans cette maison, en tout cas, il n'y a rien. Dans cette maison, au nouveau quartier, c'est pareil. T'as amené la coque au quartier? Bordel! Viens le gifler, il se réveille pas là, allez! Putain, ça fait chier! Attends, je vais ranger là. Voilà, réveillez-le là, bordel, Luc. Demande-lui où c'est qu'il a foutu la coque. C'est que t'as foutu la coque là? C'est où t'as foutu
dit la coca, Hernando. Qu'on a fait dire. Elle est où la coca? Elle est dans ta maison, dans ta deuxième maison. Elle est où la coca? On est rien du tout dans ma deuxième maison. Fais la cocaïne. Bon, allez, viens, super. Bon, vous faites quoi là du coup, hein? On a tout. Sur le toit, on s'occupe de M la top. Il y a René la top, maintenant il y a M la top. Vas-y, remets-le. Comment? Tu rentres. T'as des preuves au moins? Tu rentres jusqu'à nous. Ouais, ouais, on a des preuves. Ouais. Bordel de cul. Ma maison au sud là. Ah, sur le toit du. Ah. Je vais arriver, mais bon après. Un tatin alors. Gros, tu me laisseras. Ma maison juste là devant. Tu me laisseras siffler avant qu'il meure. Dans cette maison là qu'on a tout transféré hier, il y avait des gens qui ont transféré avec moi. Bon, écoute, mon loulou. T'as fait ça pour te venger de C, c'est ça? Quoi? Tu fais ça pour te venger de C, de ce qu'on a fait assez parce qu'il nous a volé. Tu sais, j'aimerais bien qu'une fois aujourd'hui là tu me dises la vérité, ça me ferait plaisir. Il a même pas de couilles, tu vois. Non, mais écoute, je te jure, écoute-moi, regarde, tourne-toi, regarde-moi, j'enlève mon masque, regarde. Enlève mon masque. Je baisse mon arme. Tu sais que je suis un homme de parole. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tu fais ça pour te venger de C? Quoi? T'as les larmes aux yeux, je le vois, bordel. T'es en train de... T'as proposé de nous balancer parce que tu veux te venger de ce qu'on a fait assez, c'est ça? Ça peut se comprendre. Ce serait un bel acte d'amitié, un bel acte de bravo. Une belle connerie, mais un bel acte quand même, bordel. C'est vrai, c'est vrai. Et je peux te donner ma parole que si c'est ça, aujourd'hui, devant moi, ici, sur ce toit, je te tuerai pas. Et personne d'autre, ici, aujourd'hui, te butera sur ce toit. Interdit. Je veux juste que tu me dises la vérité. C'est important pour moi. La vérité, vous la connaissez alors? J'ai besoin de savoir, parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. C'est... Je veux bien comprendre que c'était ton pote, mais on était ta famille. Famille, ma famille, le départ de ma famille, on était 4 personnes. Un C et moi. D'accord. Et la groupe qui a voté la mort de C, les groupes qui ont rallié. Le groupe qui est d'avant de C n'a jamais voté sa mort. Vous voyez très bien que ça allait faire des tensions. C'est pas le cas de K, mon loulou. C'est que K, à cause de nous. K, il a voté pour la mort de C. C'était pas le cartel que j'allais faire tomber. Ah, tu voulais juste nous faire tomber à nous, t'es un malin. Qui ont voté la mort. Je voulais tuer ceux qui ont voté la mort de ton ami. Ouais. Et comment tu fais ça? T'aurais trahi toute ta famille. Attends, maintenant tu vas nous dire toute la vérité avec une petite musique triste là, tu vois, pour se mettre en ambiance. Écoute ça. Tu vas nous dire toute la vérité maintenant sur un fond triste et tu vas mettre une petite larme à l'œil aussi là, ça va être cool. Écoute toute l'histoire sur le cartel. Dunk, tu voulais vendre en fait chez qui? Chez moi que tu voulais vendre? Cette personne. Bah vas-y, dis les noms, on en est là. Dis-nous la vérité. En gros, il voulait vendre Smoke, il voulait vendre Tac, il voulait vendre Ritz, il voulait vendre tout ça quoi. Mais 4 personnes. Ah, tu t'as déjà dit 3 noms. Voilà. 4 personnes, j'ai déjà dit 3 noms. Et Monsieur Propre. Voilà. Donc je l'ai pas les 4. Je l'ai déboîte. Franchement, je t'ai pris comme un fer, ça m'emmerde. Mais moi aussi, je te fais confiance, hein. On m'a dit ça il y a 10 minutes, franchement, je t'en t'ai dit. Tout le monde te fait confiance, putain de bordel de merde. N'est pas tué les frères d'armes. Les frères d'armes, c'est la vie. Hein. Les tops, c'est pas la vie. Les tops, ça engendre la mort, bordel. T'es un frère d'armes, maintenant, voilà. T'as trahi tout le monde. Bon. Enlève ta musique. Je t'ai promis qu'on ne buterait pas sur le toit. Viens, on descend. J'ai promis qu'on ne tuerait pas sur le toit. Je suis un homme de parole. Sur le toit, donc je vais pas descendre du toit. Si, tu vas descendre. Il veut pas descendre du toit. Tu vas descendre. Sinon, on te pousse et tu vas mourir en bas en t'écrasant. Descends la passe devant moi là. Dis-moi, je descendrai pas du toit.
si on te contraint. Et tiens, tac, prends-le par les épaules là. Fais-lui prendre l'échelle là. Oh putain. Vous l'accrochez, j'en ai rien à foutre, il descend. Elle va jouer à biche ou bâche. Yo, Dams, comment ça va, poto? En fait, il voulait balancer que 4 personnes. D'accord avec ce qui se passe quand même. Je suis déçu quoi. Ouais, mais t'es d'accord quand même. Ah, parce que pas que tu nous fasses une M dans 2 semaines, hein. Moi? Bah ouais, ça me ferait chier quand même. Ça met de la vie. Ah, bon, ça va. Y'en a un qui a une maison là? Non, pas moi. Mais lui, ah, il a sa maison, hein, qui est là, hein. Ah, elle est ouverte, ouais, venez. Prends la voiture là, elle est ouverte ou pas? Demande-lui des clés, tu recules un tout petit peu, tu te mets là, là, regarde. Ici, là. Et t'allumes les phares en direction d'ici, s'il te plaît. Okay. Non, on va faire ça dans le hangar. Bon, ça donne quoi? Il voulait nous faire tomber que nous, l'enfoiré. Il a avoué. Il voulait faire tomber toi, moi, tac, et H. Mets-le dans le hangar, s'il te plaît. Mets dans le hangar. Tu dois pas aller au pire. Ça va. Viens là, là. Viens là, devant moi, là. Là, là devant moi, j'ai dit, bordel. Arrête ou je m'énerve. Tu viens là. Allez, bouge-toi. Pourquoi? Il a dit. J'ai dit qu'il... J'ai lui qu'il vienne devant moi, là, 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 devant, là, où je suis. File les clés de ta caisse à... File les clés de ta caisse à... À mon père, là. Il va foutre la bagnole en face, là, quand on voit un peu mieux. Reste là, tu restes là. Bouge pas, putain de bordel de cul. C'est bon, il t'a filé les clés? Ah ouais. Vas-y, prends la Maserati, tu la mets devant ici avec les phares allumés, s'il te plaît. Mais mec, oui. je suis tellement déçu. Il y a des sauts, je sais pas, faut voir. On est tous à l'entrée du hangar quand c'est fait, s'il vous plaît. Écoute. T'as l'air dégoûté. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une déception énorme à mon petit cœur. J'suis tellement triste d'entendre ce genre de choses. C'est nickel. Alors. Plutôt que nous faire respirer comme ça. J'aurais préféré que tu viennes avec les armes et qu'on te tire dessus plutôt que... Exactement, bordel. Ah, faut balance. Bon. Non, comme tu fais partie de la famille, on va te laisser choisir. Tu veux jouer au foot ou à la course à pied? On l'avait fait cracher des noms. La course à pied? Il a avoué. Je compte jusqu'à 10. Tu vas t'échapper par la porte qui est là-bas en face. 1, 2, 3, 10. Putain, bâtard de merde. Je suis triste, bordel. Ah, c'est pour la famille. Très ballant. Ils vont le retrouver en petits morceaux, celui-là. Elle ne trahit pas sa famille, bordel. Viva les cartels, enfoiré, viva les cartels. Viva le cartel. Tu me le prends en photo, s'il te plaît. Prends-le-moi bien comme il faut en photo et tu... Tu me l'enverras, bordel. Bordel de cul. Au moins maintenant, il pourra rejoindre C. Ah, fais chier, bordel. L'alphabet au paradis. Ah là là, quand même pas. Que les mauvaises lettres. Pour être sûr qu'il respire plus. Ah, je pense que tu lui as explosé la tête. Ouais, putain, j'ai même foutu partout sur les freins, c'est dégueulasse. On appelle ça une attaque soviétique.
Oh putain, c'est dégueulasse, j'ai pris des morceaux de cerveau partout dans la cagoule. Putain, si tu m'avais dit que c'était lui, franchement, j'aurais pas cru. C'est grave. Va falloir faire gaffe, y en ait pas d'autres qui se mettent le même martel en tête que lui. Mais c'est... On va aller avec sa bagnole au palais, on les laissera là-bas, ça va les couilles. Faudrait annoncer sa mort à BFM. Ouais. Ouais, on va faire ça. Mike Delro mort pour avoir essayé de trahir le cartel. On l'accuse de traite, enfin de... Non, le message ça doit pas être ça. C'est le tribunal révolutionnaire qui va revendiquer sa mort. Donc concrètement, il y en a un qui peut aller à BFM et il dit Mike Delro, autrement appelé M, malfaiteur notoire, a voulu trahir ses pairs et a été exécuté par le tribunal révolutionnaire le 12 octobre 2017. D'accord ? Enfoiré quoi. Il y en a un qui m'accompagne et qui écrit le message que c'est bien écrit là. Je vais te l'écrire le message et je te l'envoie à bouche. D'après notre envoyé spécial toujours. Ah oui, comment qu'il s'appelle bordel déjà, c'est quand ? Mamadou Fanjo. Après notre envoyé spécial Mamadou Fanjo, Mike Delro, ex-membre du cartel ou je sais pas quoi, était à... Il faut quand même un mec qui m'accompagne que j'avais pas tout seul là parce que dans la voiture noire. Yes, vas-y, on peut prendre la voiture, H. Bah, tu prends la verte là, c'est la sienne. Prends la sienne. Ok. Ce sera son dernier baroud donné là. Tiens, les clés là, mon père, t'as les clés. ouais. J'entendais pas pendant tout le truc, j'ai cru que... Ouais, alors, je t'expliquerai pourquoi, mais ah, ça a rien à voir. Putain, quand je te jure. Là-haut, sur le toit, je te parlais, mais au final, j'ai vu que je parlais dans le vent. Ouais, c'est cool ça. Bah voilà, j'espère que vous êtes content de mes services. Bien sûr. Mon père, merci. J'espère qu'il ira en enfer. Ouais, il ira même pas en enfer, lui. Même Satan n'en voudra pas. Oh là là, je suis triste quand même. Au fond de moi, ça va. Oh non, moi je suis content, moi. J'ai quelque chose dans lequel. J'ai fait un peu de torture électrique. Ensuite, on a fait une exécution digne de. Allez, de comédie dramatique, tu vois. Non, c'était génial avec la petite musique et tout. J'ai trouvé ça. S'il a une belle mort quand même pour une balance. C'est sûr qu'il a une belle mort pour une balance. Je faisais partie de la famille, faut pas l'oublier. On pouvait pas le laisser partir comme ça, comme une merde. Je suis déçu quand même de ce mec là, quoi. Putain. Mais ouais, voilà, je suis déçu. Moi j'avais de la petite musique triste sur mon iPhone, je me suis dit c'était au top pour ce genre de moment. Mais bien, franchement, j'aurais jamais pensé ça de ce mec là, quoi. Ou alors là. Jamais. Mais écoute, tu sais, pour savoir s'il faut que je retire. Non, t'as pas besoin, c'est déduit de ta carte bleue si tu veux. Ouais, nickel, on y va direct là. Non, mais le fait qu'il ait trahi, il méritait la mort, y'a pas de problème. Mais oh, bah oui. Moi j'ai une petite déception, surtout le fait qu'ils disent. Que pour lui, dans sa tête, il y avait une dissociation entre la nouvelle famille et l'ancienne, tu vois. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on lui a donné de la force. Ils étaient 4, on est arrivé, on était 6 ou 7. Bref, on s'en fout, aujourd'hui, on n'est qu'une seule famille. Et lui, il a eu mal à la tête parce que son gars, il est mort alors qu'il nous a tous trahis. Et ça m'étonne même pas, parce que regarde, quand on allait vendre des trucs comme ça, il y a son pote aussi, c'est, qui disait, ouais, genre, non, il aura sa part, l'autre, non, on travaille ensemble. Enfin, il y avait trop de trucs bizarres. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Du coup, on en a pas pensé, tu vois. On a maintenant pas... que tu m'en parles, tu as entièrement raison, bordel. Et ouais. Depuis le début, il y a des gens qui vont se sentir lésés. Le fait qu'ils gagnent moins d'argent que d'habitude et le fait qu'on soit plus, et ben ça les fait ralentir, tu vois. Les gars, on se met au naturel, on va au palais. Il y en a qui a une baraque ici que je mette mon tata et une balaque là-bas, tu sais. Sinon, je les jette et je m'en cogne total. J'ai rien là ici, moi. Chez moi, y'a de la place. Ouais, c'est vrai. T'es plein, toi, N ou. Ah non, je suis vide. D'accord. Ouais. Et puis ce soir, il faudra qu'on aille faire la 22, quoi. Tout ça. Hey. La tata elle rentre pas, je vais la jeter, ça me gonfle, j'en ai plein. Ici, j'ai de la place. Non mais j'en ai trop des tata, faut que je la jette. Sauf si tu la veux. T'as le canapé ? Ça rentrera pas. Ça rentre pas dans les canapés. Te fais pas chier, je la jette. C'est qui du coup ? C'était Mike Delro. M2. Aïe.
Allez, c'est bon, bouge, on va pas aller. Je monte avec toi. Bah, bien sûr. Calme au nom du tribunal. Bah, bien sûr. Ah non, mais je sais pas si c'était vraiment toi, j'ai vu trop de visages. En fait. De toute façon, faudra mettre le message un peu plus tard, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde, non? Peut-être. Faudra quoi, par... On peut le mettre maintenant, et de toute façon, après, si on va faire comme d'hab, le tribunal, il va publier son truc. Ouais, bah. Tu m'enverras la photo quand t'as un moment, pote. Ouais, pas de problème, je t'en refais pas. Qu'est-ce que t'en as pensé de ma torture? Très très bien, mais Lulu, j'ai adoré, j'aimerais pas que ça m'arrive pour tout. Ouais, mais il a quand même eu une belle mort, hein. Ah, mais il a une très très belle mort. Quand t'as des trucs à faire comme ça, tu peux m'appeler, je prends l'avion d'un coup. Hein. Bah écoute, je m'étonne pas. On va à Palais, poteau. À Palais ? Ouais, de toute façon, je te suis, hein. Je vais encore rester un petit peu, puis je vais pas tarder à aller me coucher. Ouais, ça va, tranquille, pas pour de temps en temps, écoute, je passerai faire un petit tour, mais avec toi. Tu vois, avec plaisir, avec plaisir. À la population, tu vois, par contre, on rigole bien. Ah, ben ça fait plaisir, mon père, ben j'y suis content. En plus, moi, si t'as un temps, je peux te filer un coup de main avec mon petit téléphone et ses petites musiques bien sympas, tu vois. Bien sûr, t'as une playlist que j'ai bien aimée. Arrête, putain, ça va me refiler la larme à l'œil encore, bordel. C'est quand même un frère d'armes qu'on a perdu malgré tout, si c'était une top quand même. Moi, je lui ai rien donné, il s'est fait tout seul. Moi, je donne rien à personne, il s'est fait avec nous. Ce qui est dommage, c'est que... Je pense qu'il y a... La semaine dernière, on a tué... Bah écoute, la semaine dernière, on a tué un de ses amis très très proches et on était dans ceux qui ont voté la mort de son ami. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il était à deux doigts de nous trahir, mais bon. Satan est en lui. Ouais, je pense que Satan était déjà là avant. Satan était déjà présent. Du coup, je suis passé à ma maison poser l'équipement que j'ai sur moi là et j'arrive pas là. Ok. C'est triste, je suis malheureux. Malgré... Ben oui, tu es des hommes, mais ça me fait pas plaisir. Surtout quand ils sont gentils. Quand c'est des connards, je prends plaisir de te... Ouais, c'est ça. C'est sûr. Malgré tout, c'est un homme. C'est la mort d'un homme, bordel. Ben oui, bien sûr, bordel. Ouais, mais malgré tout, ça reste un homme. Lever la vie d'un homme, c'est triste. C'est triste, mais c'est... Malheureusement, ouais. Ce chien, il a voulu débalancer, bordel du cul, je vais tirer sur tout le monde! Non, faut que je me calme, bordel. Chut, faut qu'on se calme. Calme-nous. Pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. Bordel! J'ai pêché, mais faut que j'aille quand même acheter à boire et à manger, parce qu'avec tout ce qu'on a pêché, j'ai faim. Ah putain, range ta, bordel. Il peut... C'est interdit. Les armes sur le palais, c'est interdit, il y a l'état d'urgence. Ouais. Bon, ça va, mais je vais acheter à manger et à boire. T'as faim, quoi? Ouais, pareil, je vais aller aussi. Allez, c'est parti, les loulous. Quoi qu'il en soit, il a bien joué, c'était cool. C'est jamais amusant de tuer quelqu'un, pas du tout, parce que c'est la mort d'un personnage, c'est chiant. Il y a le géant qui veut venir nous chercher au quartier 1, là, l'ancien quartier 1, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'on a pété, on a pas de roue. Je prends à manger, j'arrive. Ça marche. Quartier 1, tu sais où ils sont? Ouais, bah ils sont au quartier. Non, c'est quartier 1, c'est le quartier 1 de nous. Ouais, notre ancien quartier 1 à nous, ouais. Ouais, en fait c'est... Je l'ai posé à ma maison, du coup faut juste qu'on passe à ma maison et que tu nous récupères. En fait, c'est rond-point de la mort, tout droit, première à gauche. Okay. Et ensuite, tu descends et tu tues sur la route. Ouais, exact. Ouais, mort RP, mort. Désolé, monsieur Delroux. Moi, j'ai fait qu'exécuter ce qu'on m'a demandé. J'y croyais pas, franchement, jusqu'à ce que t'avoues. J'y croyais pas vraiment. Après, c'est la vie, hein. Bon,
J'allais m'endormir sur le palais, sur ses bras et sa. Vas-y, vas-y, ma loulou, ça m'a fait plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Tu m'aimes, ok. Je repasserai de temps en temps. Combien là-bas, du coup? Ah bah ouais, bah. Juste qu'on passe à la maison, c'est à 900 mètres de là où on est, et on peut partir. Ouais, ça va, fais comme ça alors, ma loulou. Appuie. Attends-moi, j'arrive avec toi, N. Ouais. Change de voiture juste. A bientôt, mon père, à bientôt. J'arrive, N, on prend un pied, on les rejoint. Déjà parti, elle va trop vite ta voiture. Non, 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 je suis au garage, je suis au garage. Salut Baptiste, comment ça va pas toi? Et ouais, il a eu une mort RP, Max. Je suis là, là, devant toi, devant toi. T'as un pneu ou pas, bordel? Oh, on va en prendre un. Ah, vas-y, vas-y, arrête-toi, je le prends, bordel. Vas-y, on arrive, on part du palais. C'est parti, mon cul. Allez, go. Fram, t'es où? Je suis en train de discuter avec un ami à nous, là. Ouais. Mais... c'est qui? Ouais, monsieur Metal, faites attention. Les flics, putain. Pas grave, déjà. Les flics juste devant, au cas où. Pas grave, je crois que c'est lui qui est en train de discuter avec eux. Ok, possible. Fartas, t'as eu l'occasion d'appeler Pepito et Bambino ou pas? Quoi? Et t'es où, Tac, d'ailleurs? Il y a la Bugatti rouge qui est sortie. Je sais pas, vous avez fait ce que vous avez à faire, du coup, hein? Il doit y avoir pire sans ville, il y a la Bugatti. Bah c'était eux qui étaient là. Je sais, j'ai discuté avec lui à l'origine. Ok. Ouais, on a fait ce qu'on devait faire. Par contre, il manque Fartas, t'es où, poteau? J'aurais pu attendre, hein. Attends, t'as attendu 2 heures, poteau. Toute ma gueule. Je suis heureusement que je vais regarder un truc, parce que heureusement que je vais regarder mon téléphone, parce que sinon... Ouais, mais en fait, si tu veux, on a commencé 1 heure avant, tu vois, ça commençait à être un peu long, tu vois, pour lui et pour nous. Ouais, merci. Tu as invité des personnes extérieures à ça, je vois pas pourquoi on est venu. Parce qu'il fallait l'extrême anxieux, c'est comme ça. C'est ça. Et j'étais un ami, mon père. On va les couilles. Voilà, et toi t'étais pas là, trop du cul. On va les couilles. Ouais. Il y a quand même des règles, je pense, il y a certaines personnes qui peuvent être là et qui peuvent d'autres pas être là. Bah, il était là pour donner l'extrême anxieux. Ouais, c'est à gauche. Ouais, bref, vas-y. C'est par ici, hein. Ouais, ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Fartas, tu nous entends ou quoi, bordel? J'espère qu'il répond pas, bordel. Il doit être au téléphone. Ils sont là. On est là. T'as le coffre. Faites quoi du coup là sinon? On leur a amené un pneu, ils ont crevé un pneu, on est en ancien quartier. Oui, c'est un bulle, bordel! Ouais, moi je viens de coucher. Déjà? Ouais, ça m'a pris la le chou là. Oh. Faudrait qu'on retrouve Tac quand même, je sais pas où il est passé. Merci les gars, c'est gars. Pas de pied, bordel. Un mec nous a piqué une carte. Je sais pas comment il a fait, bordel. En tout cas, c'est de faire chier quand même. C'est de faire chier, bordel de cul. Ah ouais. Oh. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud.
C'est chaud, c'est chaud. Ah bah ouais, IRL, ça barille, je pense. Hein. J'ai encore eu les Schmitt, on sait jamais. Ouais. Bah, il prend les numéros derrière, le truc qui est derrière, hein, et puis ils sont tranquilles. Ouais, mais j'ai rien, tu peux t'arrêter si tu veux. Ouais. J'ai ma voiture. Jolie, hein? Ouais. Elle est classe quand même, je trouve. À moi, ça. J'ai l'illustré à 20 tiers. Regarde comme elle brille. Eh bah, ben, ouais. T'as vu ça comme un chez classe, bordel? Tu l'as pas acheté cher en plus, celle-là. 150. Ça va. Ouais, ça va, ça va. Bon, j'ai plus de pépettes, mais ça va. On va au moins le double. Ouais, ça c'est sûr. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, hein, écoute. Tiens, tu m'as fait peur, je t'entendais plus sur la radio. Ouais, j'étais au téléphone, Pepito Bambino, c'est pas ça. Ah, ça va, tu leur as dit pour les 4 mecs? Ouais, ouais, j'ai expliqué tout ça. Par contre, il m'a certifié par 100 fois qu'ils vendaient pas de cagoules, etc. Eux, c'était le masque de clown, comme on leur avait dit, et que ils ont les cagoules, ils savent, à la base, ils savent même pas où les acheter. Ah, c'est assez intéressant, alors. Donc, je lui ai dit, bah, tu règles ça avec les 4 mecs, tu les mets tous dans le... Ah, c'est pas les 4, hein. Donc, c'est pas Dragan, c'est pas... je crois que c'est Kylian Raiden qui m'a dit ça. Donc tu peux leur dire, s'il a une cagoule, il a dit qu'il l'aura acheté. Soit disant, il m'a dit c'est pour pouvoir commander sur le Dark. Il l'a plus de lui-même. Je trouve ça c'est un scandale, bordel. Un scandale. Un scandale! Bordel de cul, c'est quand même grave, hein, d'en arriver à faire des choses comme ça. Putain, franchement. Et... Il y a une voiture qui roule encore. Non, c'est eux peut-être. Ça. C'était Fram. Ah, peut-être. Avec le masque et tout, non? Ah, mais non, ça c'est Hugo. Oh. Ben, j'espère que l'air sera plus. Moins malsain. Putain, t'imagines ce chien, il voulait nous balancer nous quatre. C'est un scandale. Putain, scandale. Scandale de fou. J'ai compris son délire, hein, mais bon. Tac. Tu fais? Tac. Tac, il est là. Il est là? Ah, il est là. Vous avez ramené notre Google, là? Parce qu'on avait besoin, c'est tout, c'est comme ça, c'est un ami, fait, c'est comme tu parles. C'était pour le tribunal, on avait besoin de l'extrême onction, arrête de râler là. C'est ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Alors? T'avais pas pu lui tirer dessus. Bah, je sais, bordel, mais si tu savais, tous les chargeurs qu'on y a vidé dans la gueule. Nen a joué à Bichoubash. T'étais où toi, poteau? J'étais en train de me reposer. Putain. Quand on t'a appelé pour venir, qu'est-ce que t'as foutu? Je vais dormir. Non, quand on t'a appelé pour venir, que t'as dit ouais j'arrive. Quoi? T'étais au palais. Et j'étais, je suis arrivé, mais j'ai regardé mon portable et j'ai compris que ça servait à rien. Donc venir pour rien, ça sert à rien aussi. Dans tous les cas, dans les trajets pour chier. Dans tous les cas, il voulait pas balancer le cartel en fait. Allez, chouloulou. Bon. Ah ouais, on voulait. Ouais, que tac, toi, je propre et moi. Eh ouais, qu'est-ce qu'on lui avait fait, nous exactement? Et on a voté pour la mort de C et on faisait pas partie du groupe à la base. Ah ouais, ouais. Comme ça, ça y est, ils vont tous faire ça là. Bah, c'est ce que j'ai dit à N, j'ai dit tu nous fais pas ça dans deux semaines, hein.
Imagine. Non, mais c'est un délire de pièces rapportées, je sais pas, truc bizarre, ah, voilà. Je sais pas ce qu'il nous raconte, frère. Après, nous, ce que moi je lui ai dit dans tous les cas, c'est que nous on est solides. S'il part de ce principe-là, pour l'instant, les deux mecs qu'on a éliminés, c'est deux mecs du cartel de base, tu vois. Attends, moi je pense que je vais faire rentrer quelqu'un. Celui qui doit être plus dégoûté, ça doit être S dans tous qui les cas. Que je vais essayer de faire c'est lui qui les a ramenés. Ouais. Tu sais qui c'est que je vais essayer de faire rentrer, de toute façon. Z. Ouais. Je t'ai dit, dans tous les cas, il nous faut Z pour le Bambino et Pepito, et on est très bien comme ça. Non, on a besoin de rien d'autre. Et encore, Pepito et Bambino, ils vont gérer la cité. Ils vont même pas. Filiation, elle sera de loin, tu vois. Attention, tu sais, ouais, après, ils n'ont pas besoin de rentrer dans le truc, hein. Si tu les mets à la cité, ils gèrent la cité. En fait, il nous a. Alors, les infos qu'on avait de S, c'est qu'il est allé voir un gendarme en lui disant qu'il avait de quoi faire tomber tout le cartel. Et en échange, il voulait une nouvelle identité et une maison. Ah ouais. Et en fait, concrètement, il nous a dit qu'il avait balancé personne. C'est vrai, en fait, c'est pour ça qu'on l'a buté maintenant, parce que s'il avait balancé, ça servait à rien de le buter. Voilà. Donc en fait, on a info qu'il n'a pas balancé. Par contre, lui, il nous a avoué qu'en fait, il voulait pas balancer tout le cartel, mais juste 4 personnes. Il a fini par avouer, il a craqué. Parce qu'on avait voté pour la mort de C, tu vois. Alors qu'il est sans enculé, c'est la vérité, c'est normal. Et d'après lui, N et K, ils ont pas voté pour la mort de C. Le truc que j'ai pas compris, par contre, qui est bizarre, c'est qu'il y a pas que vous 4 qui ont voté contre la mort de C. Bah non, même C, moi, même. J'ai voté aussi contre. Et ben même K aussi, il a voté contre. C'est hein? S qui lui a mis un coup de fusil à pompe. Je sais pas pourquoi, poto. Et moi j'ai voté aussi pour, tu vois. De toute façon, il a jamais eu mon nom, lui. En vrai, il a pas de photo. En fait, tu. Ouais, mais à la radio ou en ville, tu sais. Ephraim, une photo, une plaque. Ouais, mais une plaque, poteau. Une plaque, une photo, n'importe quoi. Il est capable de balancer tout, les maisons, tout. Ouais, bref, de toute façon, il est mort. Hein. Voilà, maintenant c'est réglé. Quand on a buté l'auto 5, s'il faut, il avait fait des photos de con. Il va falloir qu'ils comprennent. Et puis là, c'est fini, t'es. BFM TV, maman. C'est quand ils nous ont demandé qu'on vienne ici pour faire le ménage, je comprends, hein. Putain, voilà la gangrène quoi. Oh putain, cassez-vous! What the fuck? Vas-y, bouge toi par toi. Ta voiture. Putain, les gendarmes! Les gendarmes, ils ont pris sévère! Oh putain! Oh ma caisse! T'as failli m'écraser, bordel! Excuse-moi, mon cher. Mais là, j'ai aussi le cas. Un pantin, cousin, c'est quoi ce bordel? J'ai pas tout compris là. La voiture, je la vois pas. Votre voiture, elle est partie. Elle est toute là-bas. Votre voiture, elle a déclenché toutes les explosions. Ah, mais vous avez vu comme j'ai un parking automatique? Ouais, super, elle a failli me tomber dessus, putain. Vous vouliez la Maserati à côté, par contre. Presque bien visé du coup. La Maserati à côté, elle a pas été arrêtée. C'est métal, il s'est passé quoi avec votre voiture là? J'en sais rien. Il y a vraiment y a des gens qui m'aiment pas du coup apparemment. Bordel de cul, c'est incroyable les gendarmes. T'as vu ça? Les gendarmes qui veulent nous tuer, on aurait dû prendre des photos pour montrer ça aux journalistes. Un scandale! Joli comme arme que vous avez, monsieur Metal, c'est quoi? Ah bon? Un G36C. Putain, je lui connais pas en arme, vas-y montrez-moi comment ça marche là. Ah, c'est un G36C. Il y a plus de petit bouton là. Non, putain, c'est joli. Eh, t'as vu le viseur qu'il a, bordel? Appuyez pas du feu, t'es sûr, il y a le feu. Reculez, vous allez cramer comme un petit poulet. Ça me fait jeu de mots. Pour l'instant, on ferme le parking tant qu'il y a l'incendie. Et pas... C'est joli comme un bordel, ça. Ouais, t'as vu. Comment il a dit que ça s'appelait? G36. Ah ouais. J'aimerais... J'aimerais bien en avoir un, bordel. Ah, je sais pas si ça fait vraiment du bruit. Ah bah il va cramer hein. Il crame hein, tranquillement hein. Bordel. C'est joli comme arme ça, je l'ai même. Il fait chier là l'autre, faut lui mettre une balle s'il continue à faire des choses comme ça hein. Sans déconner. Attention monsieur, le monsieur va se stationner. Ouais bah qu'il aille se stationner chez lui. Merci. Ah mais c'est pour éviter une explosion supplémentaire. Mais là, vu comment tu te rapproches de la Ferrari, on a des explosions supplémentaires. Ah, bon, t'inquiète pas, c'est un peu. Oui, on sait. Mais oui, plaisir, ça c'est pour trouver les clés, ça. Bordel, vous pouvez me la prêter, voir comment ça me va? Mais
Vous enlevez le chargeur. Non, vous enlevez le chargeur. Ça m'inquiète un peu cette histoire de ma voiture là. Elle est là-bas. C'est rien passé. Vous avez rien vu de. Ah si, un avis de votre voiture explosé, bordel. Non, non, on n'est pas blessé, nous, ça va, c'est jeune. Bizarre, c'est que le Vito, il... Le Vito était loin. Faites des photos du Vito. Et ça tire un peu, je suis sûr, ça sent le cochon grillé. Ou le poulet, le chicken grillé. Attention quand même qu'il n'y ait pas de surexplosion. Hein. Ah ben C'est des balles qui ont dû péter. Bon, des balles qui ont dû péter dans votre cas. Ouais, ouais, ça c'est un peu le poulet grillé. Hein. T'en as poudre. Ça sent l'accélérateur. Accélérateur. L'accélérateur, un scandale. Des gens qui ont voulu vous tuer. Je connais pas en explosif tout ça, ouais, c'est pas mon truc. Hein. C'est clair, moi non plus, tiens. Attendez, mettez-vous pas devant, moi je le dis. Hein. Ouais, non. Oh, écartez-vous, écartez-vous. Et... Attention là quand même. Non, non, je réglais la cadence. Ouais. Ah, vous pouvez me l'apprêter pour régler la cadence. Non, non, c'est bon. Je connais quelqu'un. Actuellement, vous faites quoi là? Parce que c'est un attentat ça. Bah, écoutez, je sais pas. On va ouvrir une enquête dessus. Hein. Avec un feu à bordel. Wesh, Zarkali, comment ça, poteau? J'étais dans ma voiture en train de fumer une cigarette. T'es sûr que c'est sécurisé? T'es pas chez votre mégot à travers la fenêtre, y'avait pas une flaque d'essence? Ah non, du tout, non. Moi, surtout que j'étais garé là-bas là. Parce que là, ça me stresse la flamme là, il va falloir changer. Non, il est venu cet après-midi là. On avait 2-3 trucs à faire, il est venu comme ça pour se faire plaisir pour toi. Si, si, il y a des flammes, il y a des flammes, c'est énervant. On a tué, on a donné une mort RP à Mike. C'est bizarre, vous voulez pas aller le faire vérifier parce que c'est bizarre ça quand même. J'ai jamais eu ça à l'armée avec des armes. À un moment, la balle elle va partir sur un de nous. On va être obligé à prendre une balle. C'est sûr. Ah si, si, c'est grave, monsieur Metal. Ah mais ça va, c'est... Ça... C'est votre faute. Bah non, c'est vrai, c'est les véhicules qu'on avait. Ah donc sinon on se pointe avec un Glock... Est-ce que tu crois que ça fait autant de rebonds que les fusils à pompe? Mais alors si c'est la pompe, c'est reçu. Ça fait des rebonds, ça? Ça fait des rebonds si vous tirez sur un mur? Je crois que ça reste directement, ça fait pas de rebonds, bordel. Quoi? Si, ça fait des rebonds, ça. Ah donc si vous tirez en face d'un mur, vous la prenez dans la gueule? Attendez. Moyen, ouais. Bordel. C'est quoi comme arme, monsieur Metal, que vous avez là actuellement? J'ai 36, c'est... J'ai 36 balles. Des 0... 5,56 s'il vous plaît. C'est du 5,56 bordel. Monsieur Meta, vous voulez pas me prêter votre arme histoire de rigoler un peu? Ouais, ouais, non, ouais. Non. Là, je peux vous prêter une balle si vous voulez pour rigoler un peu. T'es un drôle, toi, t'es un drôle. Ah, mais moi, ouais. Ah, non, lui, franchement, ouais. C'était pour rigoler un peu. Ah quoi, faut bien rigoler dans la vie, merde. C'est tellement rigolo de prendre une arme de guerre dans les mains. C'est marrant. Mais franchement, monsieur, vous vous rendez pas compte tout ce qui est fait avec ces armes là, monsieur, tout le mal qui est fait là. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Dites voir, vous avez. Ça tiendrait qu'à moi, les gendarmes, on aurait pas d'armes ni rien. Exactement, exactement, surtout pour ce que vous en faites, enfin, je parle pas pour vous. Qu'est-ce que je veux dire? Attendez. J'ai parlé de vous à ma maman, elle vous passe le bonjour. Je lui ai dit à un monsieur très gentil qui a bien écrit un nom. Ah, ouais. Quand même! Grosse que whisky, bordel, c'est simple comme ça. Non, mais vous inquiétez pas, tu demandes connaît maman, elle fait des tartes à la prune pour tout le monde. Française. Ouais, ouais. Vous avez vu ce message à BFM là? Oui, j'ai vu, oui. C'est quoi cette histoire là? Moi ah bah... ouais, je le connaissais pas, mais ben, c'est un scandale. Moi j'ai connu dans mes tout débuts. Ah, la Légion française. Ah ben? Traîner avec lui? Bah, au tout début, pas en fait, moi je bossais, je faisais un peu de bûche, tout comme ça, j'avais déjà travaillé avec lui. Hein. D'accord, bah écoutez. Il était multirécidiviste routier. Ah, bah apparemment, il a mal tourné là, parce qu'apparemment. Ouais, j'ai pas trop compris. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, y'a un monsieur qui est décédé, et monsieur Metal dit qu'il le connaissait. Ouais, monsieur Delro. C'est un scandale, hein, franchement, un malfaiteur comme ça, enfin bon, écoutez, ça fera un de moins. C'est n'importe quoi, on sait pas où on va. Comme la perte des Bentley vertes. Bah voilà, Bentley verte. Ah, il a Bentley verte comme avant. Ouais, putain, t'as Bentley verte de merde, tu l'as pas retrouvé? Mais non, toujours pas. Voilà, jamais retrouvé non plus. Ah, d'ailleurs, monsieur Metal. Monsieur Metal, il a retrouvé. J'y suis allé récupérer mon véhicule. Vous savez, hier, il y a eu une tempête un peu cosmique, bizarre comme ça. Une tempête bizarre, ouais. Ouais. J'étais à ce moment-là en Opel Astra au PC rouge foncé. Et quand je suis retourné avec la chercher avec un monsieur qui m'a très gentil, qui m'a récupéré au milieu de la route, monsieur. Juan, j'oublie son nom, mais Juan quelque chose. Moro, je sais pas.
On n'a pas retrouvé la voiture et les dépanneurs ils m'ont dit qu'elle a été retrouvée à Poissas, que ça a été appelé par les gendarmes. Ouais. Donc je voudrais déposer plainte, tu m'as dit qu'il fallait porter plainte. Ouais mais bon ça va être une plainte contre X donc... Ou le signaler, bah non mais que s'ils ont tué des gens avec, que je sois tranquille quoi. Je vais pas mentir, ça va être une plainte classée sans suite, hein. je vais regarder dans mes dossiers si j'ai quelque chose impliqué. Non mais ce que je veux vous dire, c'est que si ça a servi à un braquage, un meurtre ou quoi que ce soit, c'est pas moi. Bonne chance, en tout cas j'ai pas eu de retour sur ça. Bon bah alors voilà, bah comme ça vous le savez, j'ai... Je l'ai dit à monsieur Kat, comme ça vous le savez. Ouais ça marche, y'a pas de soucis. Dans tous les cas, on va vous laisser. Oh, ben venez, on vous dépose, j'ai une belle voiture. Ouais, c'est bon, je vais sortir un véhicule perso là-bas. Ah bon ? Quel véhicule perso, M. Metal ? Oh, j'ai patrouillé en Aguera. Ouais, oh là là, normal. En Aguera avec un G36, bordel. Qui fait des flammes. Bah attends, son pote il a patrouillé en yacht ce matin. Aïe. Ouais, je sais pas qui c'était, un mec du GIGN il a patrouillé en yacht, c'était magnifique. Ah bah si je te le dis, j'ai pris des photos quand même. Arrête de me dire sérieux, bordel. Cette photo, ça m'intéresse. Moi. Bien sûr que j'ai des photos. Il était habillé. C'est même... la dernière chanson de Monsieur Dimitriev d'ailleurs. Ah non, non, non. Il est où c'est... Laquelle c'est... Parce que j'ai acheté l'album moi, mais. Non, il est pas parti, bougez pas, regardez. Ah, la chanson là, vous allez. Elle va vous faire rire. Vous allez... Ouais, Monsieur Dimitriev, on vous attend sur la place pour faire écouter votre nouveau morceau à d'autres personnes. Bon, vous la faites écouter rapide et puis après on va avoir la tempête. On vous attend dans le bâtiment à côté d'Axa pour être à l'abri. Il est au garage. À tout de suite, monsieur Dimitri. Oui. Bah, allons-y. Bah, vous verrez que les gens qui sont là sur place. Oh bordel. Bonsoir. Bon, ça va, je vous ai lâché 60 000 balles quand même pour les saisir. Bonjour monsieur Metal. Bonsoir monsieur Metal. Du coup, j'aime rien. Oui, alors bon. Bon, on vous attend dans le bâtiment, le bâtiment bleu là. Vous avez grillé le feu sans faire exprès, bah je vais vous mettre une amende sans faire exprès. Allez, garez-vous, on vous attend. Conduit et téléphone en même temps, monsieur Metal, j'ai rien. Non, il était en Bluetooth. Putain, je me suis mouillé. Ah, c'est ça. Si, sur l'OP, sur les trucs comme ça, il y a Bluetooth. Ouais, il faut l'installer après. Hein. Attends, un peu. Hein. Je pense que. Eh, non, mais votre truc, vous l'approchez pas de moi, il y a eu retour de flamme là. Eh, c'est une bougie. Ça t'a brûlé maintenant. Mais non, mais c'est pour qu'on voit quelque chose. Mais ce qui est marrant, c'est que vous savez, tout le monde le voit. Moi, je le vois sur mes collègues, mais moi, je le vois pas sur moi. Mais pourquoi t'as vous le voyez pas sur vous moins, parce que... Oh, là, my friend. Et si je peux me permettre, monsieur Metal, on m'a dit que c'était pas la seule chose que vous voyez pas, apparemment. Tu commences à dire, toi. Je suis pas dans le colis des canons. Comment ça va, Jack? Bah, ça va, ça va. Eh hey, monsieur Dimitri, on vous écoute. Allez, Jack D, Jack D, Jack D, un bol à sauce. A plus, je dis, putain. Le gang de copines finira jambes en l'air. Y'a de la cyprine par terre. Un gros coup dans l'anal, ils finissent par terre. C'est de qui je parle? C'est le GIGN, quand y'a un tir, on se barre. J'ai un pétard, je me tape des barres. Font de la peine, normal, c'est le GIGN. Si tu les croises, parle mal. Ils ne font pas de mal. Ils ont le trou de balle, ovale. Quand y'a la faciale, ils avalent. Ouais, les putes, c'est eux. Alors comique, on se tape des queues. On fait les gangsters cagoulés. Non, en vrai, c'est des PD. Ah ouais, tu les connais. Bien sûr, ils ne savent pas décoller. C'est eux que tu vois à la télé. Tu crois qu'ils tuent? Bah non, ils mettent des petits tutus. Ils mettent pas de gants? Bah non, ils font trop les grands. Alors qu'entre eux, ils sucent. Ils se sucent le clan. Ils font les grands? Bah non, c'est que des petits travelots, des rigolos, des sados. Dans le bateau, font du pédalo. Je te noie dans un verre d'eau, tu fais pas le grand, tu n'es pas beau. La dernière meuf que t'as baisé, c'était un paquebot. Je te jette du pain, comment ça va mon petit corbeau? T'as un cagoule et ferme ta gueule, tu fais pas peur. Sur belle île, tu fais le tueur, alors tu t'es fait déglinguer. Et voilà. C'est magnifique ça. Bonne musique pour le GIGN, c'est bon ça. Vous avez dit que... Il est chaud lui.
Ah ouais, ah ouais. Jack, Jack, claque quand même, ça claque. C'est possible qu'il y a des mecs au cagoule qui viennent vous voir, mais... C'est pas grave, cagoule. Le gang de campine. Après bon, c'est une commande qui a été passée, voilà, bon, la commande a été honorée. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a passé la commande. Ouais, ouais. Gendarmerie. C'est qui? C'est les... C'est les... C'est... C'est, hey. C'est pour aller plus loin dans la vanne. De toute façon, si je finis en garde à vue, il y a tous les gendarmes qui vont se mettre autour de ma cellule. Ouais. Pour me faire sortir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est beuh, c'est beuh. Je vais autant que je peux, monsieur Dimitriev. Ah, mon père, vous cassez la gueule au commandant. Oui, bah oui, bien sûr, allons-y. Pourquoi pas? Mais le commandant, mais vous le ouais, monsieur, hein, c'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais là, je pense que ça mérite un billet pour monsieur Dimitriev, hein, pour ce nouveau morceau. Exactement. Commandant, viens voir. Son commandant, le commandant, il n'a pas sa place dans la gendarmerie. Ah, oh, tu dis pas ça quand même, hein. Attention. Oh, non, non, mais non, non, pour moi, il n'a pas sa place. On peut rire. Oh, merci. On n'a pas le droit de le dire, mais on a le droit de le penser. Moi, je l'aime pas. Le commandant, je l'aime pas. Bon, c'est la partie où je m'en vais, j'écoute plus rien. Ouais, non, mais il m'a kidnappé, le commandant, moi. Tu me sais, t'as kidnappé, bordel de cul. Dans la gendarmerie, il faut que j'évite de penser à ça, alors. Bon bah nous élèves gendarmes, on va faire une petite pédestre jusqu'à la brigade. Messieurs, on vous souhaite une bonne soirée. Mais si vous voulez, je vous dépose mon vito là. Non, je vais la garder, vous inquiétez pas. Je vais essayer de la faire, j'essaie de la laisser sous la flotte, voir si ça éteint les flammes. Faut la faire régler, bordel. Avec vos flammes là, c'est putain, ça fait un peu. Au messieurs. A bientôt, bordel. Au revoir, monsieur Metal. Au plaisir. Au plaisir, ouais. Plaisir de... Elle est énorme, cette chanson, elle est énorme. Après le chemin, elle était bien sympa, bordel. Ah, vous savez ce qu'on m'a dit il y a quelques temps, alors qu'il y a des GGN qui coûtaient du joule. Oh putain, bah, c'est normal. Ouais. Là, non, mais là, ça... Ritz, non, mais là, là, le GGN, il est tombé bas, hein. Même la gendarmerie. De quoi, pardon, ma Lulu? Monsieur Ritz, vous disiez tout à l'heure que vous aviez vu un GGN sur un paquebot, c'est quoi cette histoire, les plein des vacances? Bien sûr, je sais pas s'il a pris des vacances ou pas, en tout cas, il est sorti avec son yacht, hein. Ah là là. Ah mais il faut faire un... Ça se fait plaisir. Un scandale. Un scandale. Exactement, bordel. C'est un scandale, ils sont là pour nous protéger, les mecs ils prennent des vacances comme ça. De toute façon, j'ai tout noté. Et après ils font ça. Il est parti, monsieur Skyrise. Il est passé, il est parti il y a 20 minutes, un quart d'heure. Et en plus, ils savent que faire ça. Ils savent que faire ça, et après ah, ça... Ah, la musique sur le GIGN, franchement, la claque. En même temps, ça. T'auras qu'à regarder encore la rediff, elle. Des yachts. Non, mais les gendarmes, à la rigueur, c'est leur vie privée, mais qu'ils utilisent pendant qu'ils... En munitions, là, où ils sont cagoulés, ça sert à rien. Ça s'appelle pas un GIGN pour ça, quoi. Exactement, bordel. Attendez. Mais non, mais le GIGN, c'est des mecs qui sont formés, c'est des gendarmes à la base. Ouais. Comment tu t'appelles, mon gras? Moi, je m'appelle Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, ça me fait... Ça me fait le plaisir, parce que quand il est là, t'as pas besoin de parler, hein, il meuble tout. Ouais, ah, je comprends qui c'est, monsieur. Ah, va. La porte! T'es pas fermé une porte, le loup, putain? Elle a des rideaux chez lui, bordel. J'ai déconné. Tu le respectes un minimum, hein. Voilà. Merci pour la porte, mon grand. Oui, merci pour la porte, monsieur Wolf. Il est gentil, un peu con, mais gentil. Mais il parle beaucoup, quand même. Hein. Mais c'est quoi, ça? Ah, je sais pas. Par contre, quand il a commencé à parler, écoute, j'ai la tête, elle commence à gonfler, comme ça. Ah, quel truc de fou, bordel. Quelle journée, j'ai envie de dire. Quelle journée de fou. Hein. Quelle journée? Qui c'est qui est là, là? C'est à toi. Chips, en face? Ok. On a JL, faut que... Ben, c'est Fram. C'est Vince. C'est Jean-Pierre. Ah merde, alors, il est passé où, Fram? Je crois qu'il dort, hein. Il est monté à la chambre, hein. Ah, bordel, ça m'étonnerait même pas. Il est du genre du mec à prendre des suites la première chambre pour pas se faire niquer la gueule. C'est un malin, bordel, le cul. Slide 1, je crois que je vais aller mettre dans une chambre aussi, bordel. Bah, pareillement. Parce qu'il commence à y avoir des moustiques, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, ça va tourner pas mal, on va se les prendre dans la gueule, ça va faire bizarre. Bah, moi je monte à l'étage, hein. Va. À 406, tout en haut là. Hey, fais bien comme ça, bordel, pareil, tout pareil. Bonne nuit à tous, bonne nuit. Moi je prends la 307. Hein. Je prends la 407. Non, la 508, je prends la 508, 5ème étage, porte de droite. Tu colles pas à moi, bordel, on me demande pas tout à l'ascenseur! Bordel de cul! Ah,
T'en déconner, j'ai un scandale. Merci Maxi Odin pour le host photo. Merci beaucoup pour Toto pour le host. Les copains, on va aller voir Monsieur Tana. On va aller voir tous Monsieur Tana parce que moi je vais aller chercher mon fils maintenant. Enfin, dans 5 minutes. Je vous propose de suivre nos aventures chez lui, puis après moi je reviendrai. Et je reviendrai ce soir pour le live seulement. Merci à tous d'avoir été présents, merci pour les follow, merci tous pour avoir participé. Merci Monsieur Delroux pour avoir joué le jeu, je sais que t'es là. Je fais tous des bisous, je vous dis tous à très bientôt. Des bisous. C'est celui que vous deviez attraper hier là. Bienvenue aux viewers de Joey. Ouais, ouais. On va partir en live d'Exa. Yo. 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 Y